Salut YouTube, bienvenue sur la chaîne Geek Redemption pour la suite du run de Devil May Cry, de la saga Devil May Cry. Donc on est arrivé au 3 et là nous sommes arrivés à la mission 12. On venait juste de dégager Beowulf, donc un démon que notre père n'a pas achevé. Et du coup là on doit se barrer. Et cette mission là, elle va être à casse-pied. Even the devil boy is no match for it. Whoa. You're not going to shoot me, are you? If you do, I'll die. You know. That's what it takes to shut you up. It bugs the crap out of me when someone talks more than I do. Don't act so rashly, my boy. I've got a doozy of a story for you. But if you snuff out my voice like that, I won't be able to tell it now, will I? Il est un nain de Kefta de FF6, c'est un truc de fou quand même. Thought I was a goner for sure. Oops. You saw it too, didn't you? That huge tower jutting out of the ground. That thick shaft that causes women to shudder. It's actually a tunnel. Linking the demonic domain to the human world. And of course, your brother Vergil is the one who controls it by using your mommy's amulet. Amulet? He's headed to the control room in the basement. If you don't hop down there quick like a bunny, he'll open a gate to hell! Isn't that a scary thought? And you're telling me this because... Oops! I forgot to mention one teeny little item. That gizmo there is actually the key to move forward. But the tricky thing is, it sucks the souls of those who hold it. So I think you'd better hurry. But in return for your soul, it'll give you power. Marvelous, isn't it? Just let your young spirit drive you and go for it! Le doubleur, il s'est éclaté. Wish you would have told me that in the first place. You big mouth moron. Ah non, mais c'est le personnage du bouffon, c'est un des mieux écrits de ce Devil May Cry, quoi. C'est hallucinant, quoi. Le doubleur se donne à fond, c'est ça fait plaisir, quoi. Bah, c'est grave kiffant, quoi. J'ai 12 000, éventuellement. Alors j'ai Jextreme niveau 2 et après j'ai le Airstrike. Ouais non, je vais économiser peut-être. Swordmaster. Ah, j'ai presque fini Swordmaster. Allez, on va finir Swordmaster. Et là, il faut se dépêcher. Parce que là, du coup, on est en mode démoniaque, mais notre vie baisse. Du coup, on reprend le train. Et là, coup de bol, il est à l'heure. Lol. C'est pourtant pas moi qui conduis. Ah,
Surprise! Je t'ai légèrement tué. Oh putain! Voilà la marmite chaude là! Merci, au revoir. Par contre, il est plus long qu'à l'aller. Oui! Pourtant, il fait pas d'arrêt. ouais, je vais juste prendre vite fait quand même la truc de santé, on sait jamais. Allez, hop. Ah, viens. Bon, l'avantage, c'est ce qu'on prenne comme un gros dératé. Donc, go. Et là, comme par hasard, tu vas avoir mille et une emmerdes pour dire de passer. Et je sais pas si vous avez marqué, la forme démoniaque change selon l'arme. Style amélioré. Ah bah voilà. Sword Piece. Ah, on pouvait jeter son épée, je me souviens même plus. Ah, par contre, on avait vraiment le coup de pied une fois que c'était planté. Ah, c'était pas mal ça. Par contre là on leur roule dessus hein, parce que là clairement on est trop... On est toujours en mode démoniaque quoi, donc ça aide quoi. Et encore vie. Ouais c'est que j'ai pas le temps de regarder les combos, faut que je retire ça. Blablabla. Alors le problème c'est que faut les taper avec des balles pour les transformer en pierre et après les casser au cac. Mais sauf qu'ils s'amusent à se dédoubler quand on les tape dessus au cac alors qu'ils sont encore ensemble. On se grouille, on se grouille. J'ai perdu un peu de vie, on se grouille. Ah, et puis les sépiaves qui sont toujours là. Non! Par contre, je monte par où, moi? Ah, ok. Ouh, je me souvenais même plus. Ah! Le soleil était chiant. Allez. Et je crois que c'est la dernière porte, celle-là. Oh, une banshee! Putain, tu casses les couilles! Thank you.
Ah bah putain. Wouh. Dur. Allez, de toute façon, je suis crevé là. Putain, je l'expulse. Et là, du coup, c'est bon, j'ai terminé. Alors, par contre, je regarderai les combos. Ah, du coup, j'ai débloqué ça avec le Swordmaster. C'est sympa. Banshee, bah, Banshee, ouais. C'est ça. Ah, oui, on va retourner sur le. Effectivement, oui. Alors, juste, je vais regarder ce que j'ai débloqué avec le style. Alors. Parce qu'avant je sais plus. Le sort pied, ça c'est pas mal. Avec le coup de pied que tu fais, ça c'est pas mal. Et là du coup j'ai le crawler, ouais. Et avec le Nevan. Maintenant Herbert, on se va voir. Ah, on balance ça maintenant. Ah bah putain, c'est gay. Ah oui, on se refarcit le clown. Welcome to hell. Bravo. J'adore l'animation qu'ils ont fait avec les balles. Aïe. Mais Osef, le pied tendre. Ouais, c'est ça, t'as l'impression qu'il est dans un saloon, quoi. En fait, Rébellion, c'est beaucoup trop pratique pour approcher l'ennemi rapidement au corps à corps, quoi, t'as beau dire. Aïe, on peut quand même. Waouh! Bon, punaise, t'as fini de me casser les couilles là! Foiré, putain, il y a un morceau de bouteille qui arrive à péter sur le coup. Ouais, Majora, ouais, c'est vrai. La petite R, ouais. Oups. Salaud. Le pire, c'est qu'il t'énerve parce qu'il te narre, cet enculé. Non, y'a pas de oups, ça t'inquiète. Oh putain, le boss là, j'en ai horreur si c'est ce que... Oh putain, ouais. Ah, j'ai horreur du boss là. L'espèce de charrette là.
Talk about horsepower. A chicken race with a horse, huh? Fair enough. Le problème, c'est que je sais plus si on pouvait le faire arrêter ou pas. Ah ouais, il va de plus en plus vite cet enculé, c'est vrai. Donc on va se mettre à reculer un peu plus tôt. Tu sens le boss déjà casse-couille en fait, rien qu'à cette phase là en fait. Il va se prendre mal, il va comprendre la fin. Non mais c'est ça quoi. De toute façon là, la deuxième partie c'est plus bas et c'est la partie là qui est la plus chiante. First chicken. On passe des poules mouillées au gladiateur. This just keeps getting better and better. Too bad there's nobody here to enjoy the show. Ah oui, maintenant il balance des lance-missiles sol-sol quoi. Oh putain, en plus là il m'a fait rebondir là. Ah ouais, mais là je vais crever là, j'ai crevé. Ouais non, clairement là, le boss là je l'aime pas en plus. Voilà, bim, au revoir. Ouh. Là j'ai pas de machin. Le mode facile est désormais disponible. Ah non, et oh, je le sens normal, c'est bon. C'est juste les boss à la con là qui sont chiants. Comme t'as pas l'esquive intuitive comme dans les anciens, enfin comme dans les nouveaux, ça, quand tu passes, ça fait chier quoi. Et bien sûr, Katariza, t'arrives à ce moment-là quoi. Tiens, à modo furtif. C'est ça. J'aime pas ce boss là. Et puis elle s'annonce uniquement quand je suis nul en fait. Donc ça c'est un modo ça. Un vrai modo. Puis je commence vraiment à avoir chaud et à avoir mal aux épaulettes. Ah, mon talent ou ma chevelure. Faudrait une manette turbo limite là. Putain, je viens de choper une tendinite moi à force de appuyer sur X quoi.
Voilà, on passe à la deuxième phase. La phase que j'aime pas. Ah oui, il va se taper le bâtard. Ah puis putain, tu la co-flingues à ce truc là. Je vais juste le bourrer. Putain, c'est un nouveau style qui donne, c'est vrai. C'est pas une arme. C'est le style time-lapse, là, putain. Style que j'ai jamais utilisé, je crois. Ah oui, faut pas que je marche dans les boules. Toujours éviter les boules. Conseil. Toujours conseil. Merde, qu'est-ce que j'ai fait? Aïe. Aïe. Non, pas du tout ça. D'ailleurs, t'avais pas déménagé, Kat? Parce que la dernière fois qu'on parlait, je parlais de déménagement, donc je sais pas. Oh putain, le dérapage que tu m'as fait. Ah putain. Bien joué. Là par contre, je peux rien faire. Il m'avait interrompu en plein combo. Si j'ai bougé et ça va, merci. Ouais, bah écoute, moi ça va. Ah. Au revoir. Cavalcade, battez Guérillon. C'est tous les noms que je savais pas ça. Ah voilà, le Quick Slayer. Pouvoir spécial utiliserait Guerrillo pour contrôler le temps. Ceci permet des diverses tactiques de combat et techniques lors de combat.
Alors, il va porter quoi, putain? Et de toute façon, j'ai tellement mal aux oreilles. Normalement, on n'enchaîne pas par le combat. Ah, c'est lui qui débloque Beowulf et après qu'on lui pique, je me rappelle pas. Des petits plus. C'est beau. Ah, clairement, j'ai fait de la merde là. Bon, sur ce, Twitch et YouTube, on va s'arrêter là pour la run de Devil May Cry. Je vous dis à la prochaine pour la suite et la fin sûrement de DMC3. J'aimerais le terminer au plus rapide pour commencer le premier, et après moi c'est avec le 4 à terminer. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous à tout le monde, aussi bien YouTube et Twitch. N'oubliez pas le petit pouce, le petit partage, le petit commentaire qui fait plaisir. Et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.